Heureux de vous savoir nombreux, les dames et messieurs, en train de nous suivre depuis la diaspora, l'Est de la République. Nous y sommes encore sur Congo Live Télévision. On parle de la question sécuritaire dans l'Est du pays, mais également de la politique en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle je reçois encore une fois sur ce plateau de Congo Live Télévision un jeune engagé pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays. Monsieur Moussa Ziali Roy, un cadre de l'UNC qui est le porte-parole de l'INC dans la province du Nord Kivu. On y est encore aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Est du pays. Monsieur Moussa, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. C'est d'ailleurs la première fois. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux Congolais et Congolaises qui regardent Congo Live Télévision. Ici on parle de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Monsieur Moussa Ziali Roy, pour en commencer, c'est quoi l'état actuel de la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité? Bon, d'abord j'ai la peine lorsque je présente la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu traverse une situation très difficile. En regardant le sud de la province du Nord Kivu, les territoires de Masisi, les territoires de Rutshuru et une grande partie du territoire de Nyiragongo est sous l'emprise des ennemis du M23. Lorsque nous regardons le Grand Nord, nous voyons les M23, les ADF Nalu qui contrôlent cette partie aussi et qui sèment terreur dans cette partie. Lorsque nous regardons la ville de Goma, aujourd'hui il y a la criminalité urbaine. C'est chaque jour que nous voyons des assassinats ici et là et donc la situation est catastrophique. Et si nous regardons les provinces voisines, nous regardons que la crise tend à aller vers la province du Nord Kivu et même la province orientale. Et donc, la situation est compliquée et c'est comme ça que moi je pense qu'il faut une conscience collective. Et ce n'est pas seulement la province du Nord Kivu. Vous regardez un peu partout en République démocratique du Congo, il y a des foyers de tension. Nous regardons par exemple la province de l'Ituri, il y a aussi les CODECO qui font la terreur dans cette partie de la République démocratique du Congo. Lorsque nous regardons aussi dans la province de Maïndombe, il y a aussi les Mobondo qui font terreur aussi dans cette partie. C'est vraiment compliqué. Dans des villes, un peu partout, la criminalité urbaine, un peu partout. Donc, la situation générale de notre pays est vraiment compliquée. Et parce qu'il faut comprendre la question du Nord Kivu, la question sécuritaire, nous pensons que... Au Sud-Kivu, avant d'y aller plus loin, au Sud-Kivu, il n'y a pas de menace? Oui, c'est comme ça que je vous dis, la crise, l'insécurité au Nord Kivu tend à aller vers le Sud-Kivu par rapport à cette question du M23. Mais lorsque nous regardons dans le territoire de Fizi, il y a aussi des groupes armés qui opèrent dans cette partie aussi. Donc, la question sécuritaire pose encore problème dans notre pays. Et c'est comme ça que moi, je voudrais dire que par rapport à cette question du M23, il y a d'abord un premier problème, le problème de la compréhension. Les officiels, les personnes habilitées à trouver solution par rapport à cette problématique ne comprennent pas de la même manière la question. Pourquoi je l'ai dit? Certaines personnes pensent que c'est seulement le Rwanda qui nous agresse. Et d'autres pensent que c'est l'Ouganda. Et nous pensons que l'Ouganda et le Rwanda, au travers certaines sociétés multinationales qui veulent piller nos ressources, au travers certains pays occidentaux, agressent la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo fait face à une guerre étatique, seule contre plusieurs. Voilà la situation que la RDC traverse. Et la population est victime. La population qui continue à souffrir dans des camps de déplacés. Nos enfants n'étudient plus, ça fait déjà 3 ans. L'avenir d'un pays repose aux épaules des jeunes.
Mais cette jeunesse, cette génération qu'on sacrifie, cette génération qui n'étudie plus, cette génération traumatisée, comment est-ce qu'on peut compter encore sur cette jeunesse? Voilà, donc nous pensons qu'il faut une conscience collective pour trouver la solution définitive à cette crise, voilà. Alors, vous aviez évoqué la question par rapport, entre guillemets, les officiels de la République démocratique du Congo qui ne semblent pas peut-être s'occuper très bien de la situation dans l'est du pays, d'après certains analystes indépendants. Je reviens un peu, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'INC dans la province du Nord Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous écoutons certaines personnes qui font savoir que Kamere, c'est un leader d'opinion, c'est un haut cadre d'ailleurs en République démocratique du Congo, et c'est un ressortissant du Kivu, mais il ne se préoccupe pas comme il fallait dans la guerre dans l'est du pays. C'est-à-dire qu'il s'en fout un peu de cette question. Quelle est la réponse face à des personnes qui pensent ainsi? D'abord, les personnes qui pensent de cette manière-là ne maîtrisent pas, permettez les termes, les efforts que le président de l'Assemblée nationale est en train de déployer. Il n'y a pas 4 jours, le président de l'Assemblée nationale a conduit une délégation au niveau du Canada pour participer à l'Assemblée des 49e session. Effectivement, des assemblées francophones. Et il y avait des solutions. D'abord, on a sanctionné le Rwanda, on a dénoncé à haute voix. Et sur le plan diplomatique, il y a quand même des efforts. Le président de l'Assemblée nationale ne cesse quand même de le dire que l'Ouganda agresse la République démocratique du Congo avec le Rwanda. Chose que d'autres personnes ne prononcent pas à haute voix, mais le président de l'Assemblée nationale ne cesse de le faire. C'est vrai que ce n'est pas encore comme on souhaite avec ses efforts, et comme il est président de l'Assemblée nationale, il va travailler pour qu'il puisse aider l'exécutif, pour qu'il puisse aider le chef de l'État à rétablir la paix en République démocratique du Congo. Il a toujours dit que lui, il soutient les FRDC, il soutient les Wazalendo. Et donc, ceux qui pensent qu'il s'en fout de la situation de l'Est se trompe. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui porte le Congo dans son cœur. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui porte le Congolais dans son cœur. Et il ne dort pas lorsque un seul Congolais est inquiété. Êtes-vous sûr de cela? Moi, je venais de vous dire que nous devons nous inquiéter par rapport à ce qui se passe. Le problème de la compréhension, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut prétendre trouver une solution par rapport à une question qu'on ne comprend pas? Tenez, monsieur le journaliste, certains officiels de notre pays avaient déclaré que la guerre se passe à 2000 km. Là, vous faites allusion à Alinghetti. Je parle d'Alinghetti et le directeur du président de la République. Moi, je pense que ça doit être une erreur de communication, mais c'est une erreur. Comment expliquer qu'on dise que Rutshuru est loin de la capitale? Mais Rutshuru, c'est un territoire de la République démocratique du Congo. Masisi, c'est un territoire de la République démocratique du Congo. Comprenons la question tous de la même manière. Faisons une prise de conscience collective en tant que Congolais. Accompagnons les chefs de l'État et c'est là que nous pouvons gagner. C'est là que nous pouvons combattre l'ennemi. Au-delà des efforts des institutions, je venais de le dire que nous devons faire une prise de conscience, mais également une union sacrée des intelligences pour faire émerger notre pays, mais également combattre tous ensemble l'ennemi. Les journalistes, l'opposition, les pouvoirs, cette guerre, personne ne doit porter une couleur politique. Tous, nous devons nous mobiliser comme un seul homme afin de battre l'ennemi. Mais c'est possible. Les autorités au sein des lignes sacrées ou même le président de l'ensemble VK Vital Kamerhe fait partie, là je cite notamment, je cite Bahati Lukwebo, je cite Vital Kamerhe, je cite Mwindo Nzangi, je cite Julien Paluku Kaungia et les restes ressortissants
de l'Est, nous ne l'avions pas encore vu un seul jour, à moins que vous ayez témoigné ça ici. Un jour s'est mobilisé, venir dans l'Est du pays, venir au secours de ces déplacés de guerre, venir encourager le déplacé de guerre. Là, je parle des lignes sacrées. Cela n'est-il pas aussi important qu'ils le pensent ou ils le font d'une manière ou d'une autre? Bon, les ressortissants de l'Est appartenant à l'Union sacrée. Vous savez que les intelligences de ces pays sont mobilisées pour que l'ennemi retourne d'où il est venu. C'est vrai, il y a un problème. Il y a un problème parce que je ne comprends pas comment est-ce que ton enfant peut manquer à manger pendant que vous avez la nourriture. Et vous privez l'enfant la nourriture. Vous privez votre propre fils la nourriture. C'est compliqué la situation que traversent les déplacés. C'est compliqué. Les enfants manquent même de l'eau à boire. Il y a des filles qui ne s'entretiennent plus. Vous savez, une fille, c'est une personne qui doit vivre à côté de l'eau. Il y a un problème. Les enfants manquent l'éducation. Les enfants sont traumatisés. Les enfants ne mangent plus dans des camps déplacés. C'est vrai, il y a des efforts. Les partenaires des ONG, les partenaires de notre gouvernement travaillent pour venir en aide aux déplacés, mais ça ne suffit pas. Dire que ressortissants de l'Est ne viennent pas en aide aux déplacés. C'est vrai, c'est un problème. Moi-même, ça me fait mal. Mais je pense que ces politiciens de l'Union sacrée que vous venez de citer, y compris mon président, ils sont sur d'autres fronts. Vous savez que le gouvernement avait lancé plusieurs fronts. Le front militaire, le front diplomatique, même le front humanitaire. Et donc, ils sont sur d'autres fronts pour que cette paix soit une réalité, la paix soit une réalité. Notre souhait n'est pas de voir les déplacés manger et vivre dans des camps. Mais notre souhait et notre combat, c'est de les retourner dans leurs milieux respectifs. Voilà les combats que mène l'honorable Vital Kamerhe. Partout là où il passe, c'est comme ça que l'Assemblée nationale aujourd'hui déploie la diplomatie parlementaire pour que la paix soit une réalité. Le porte-parole du gouvernement congolais et ministre des médias, M. Patrick Muyaya, a déclaré, moi je l'ai suivi personnellement sur TV5, il a fait savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas... Il n'y a pas de réponse concrète, il n'y a pas de retour face à l'Ouganda qui, d'ailleurs, les experts des Nations Unies ont approuvé noir sur blanc que d'une manière ou d'une autre, l'Ouganda appuie les rebelles du M23. Cela a été dénoncé même par la société civile dans les territoires de Rutshuru, qui est la logistique d'ailleurs vient de l'Ouganda pour renforcer dans les territoires de Rutshuru. Est-ce que l'Assemblée nationale fournisse des efforts? Je suis toujours là pour poursuivre de très près cette situation qui met en confusion plusieurs Congolais. Effectivement, c'est là qu'au début j'ai dit le problème de la compréhension. Comment est-ce que nous comprenons cette situation pour trouver la solution? Parce que je pense que lorsqu'on comprend une situation, lorsqu'on comprend la cause, on identifie les acteurs, on peut facilement trouver solution. Mais le contraire, c'est en tout cas faux. Je pense que ce que le porte-parole du gouvernement a dit, il ne peut que le dire en tant que porte-parole du gouvernement. Mais en son temps, Vital Kamerhe, alors que le M23 était encore à Bunagana, il avait proposé un plan qui n'avait jamais été fait dans ce pays. L'œil des cyclones, les dialogues entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC, parce que nous savons que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent. Plusieurs rapports ont démontré noir sur blanc que l'Ouganda soutient le M23. Pourquoi est-ce qu'on doit dédouaner chaque fois l'Ouganda?
Moi, je l'ai dit que l'Ouganda aiderait, comme le dit toujours le président de l'Assemblée nationale, l'Ouganda, oui, il a plusieurs fois dit, l'Ouganda et le Rwanda agressent la République démocratique du Congo. Voilà ce que je pense. Et si l'on peut dire qu'il n'y a pas des rapports, mais il y a des rapports, plusieurs rapports. Les rapports des experts des Nations Unies disent que, plusieurs rapports disent que l'Ouganda est impliqué aussi. Comment est-ce qu'on doit les dédouaner? Notre population continue à souffrir. Mais comment on peut dédouaner les amis? Je pense que l'Afrique, nous devons nous regarder en face. Ce n'est pas normal que pour bénéficier des ressources d'un autre pays voisin, qu'il faut passer par le sang. On peut dialoguer, on peut se regarder en face. Vous pouvez dire, vous avez l'or, nous avons telle autre chose. Coopérons pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources. Mais ce n'est pas normal que pour bénéficier des ressources de la RDC, il faut passer par le sang des Congolais, il faut passer par le viol, il faut passer par des tueries. C'est incompréhensible et ça doit s'arrêter. Les Congolais doivent se mobiliser comme un seul homme, derrière les chefs de l'État, derrière les institutions, derrière les Wazalendo, derrière le FRDC, pour que désormais, quelqu'un qui veut quitter Goma pour Walikale, quelqu'un qui veut quitter Bukavu pour Misisi, quelqu'un qui veut quitter Goma pour un autre territoire, qui puisse aller tranquillement. Ce n'est pas normal que nous puissions vivre dans les sécurités. Moi, je suis né dans les sécurités, je viens de grandir dans les sécurités. Jusqu'à quand ça doit s'arrêter? Nous devons tous nous mobiliser. Nous devons prendre nos responsabilités en comprenant très bien la question pour que la fin de cette guerre puisse maintenant arriver. Alors, avant de parler un peu de la corruption, voilà, non, avant de parler un peu de l'économie, on se rappelle ici qu'il y a eu des cas de détournement en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les Congolais espèrent grand chez Vital Kamerhe, d'autres, lorsqu'ils ont vu. Je prends même l'exemple, je m'en vais pour dire, ils ont entendu que Nicolas Kazadi serait déjà en dehors de la République démocratique du Congo. Certains ont jugé que cela serait par la lenteur de l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu réellement que ces derniers soient arrêtés, soient entendus par la justice. Quelle est votre réplique, Pascal? Dans une république... Parce que normalement, l'Assemblée devrait se préoccuper de ces cas, mais nous sommes en train de voir l'Assemblée qui est aussi silencieuse face à cela. Monsieur le journaliste, dans une république, les rôles sont partagés. L'Assemblée nationale, à son temps, avait lâché l'honorable Nicolas Kazadi, les mettant à la disposition de la justice. C'est la justice qui l'a permis de quitter le pays. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est incompréhensible que quelqu'un détourne plus de 100 millions de dollars pendant que nous sommes dans un État agressé. C'est incompréhensible que quelqu'un détourne plus de 100 millions de dollars pendant que les déplacés manquent à manger, les déplacés manquent de l'eau, pendant que plusieurs projets souffrent, pendant que la jeunesse n'a pas le travail. 100 millions de dollars, ça fait combien d'entreprises? 100 millions de dollars, ça fait combien d'industries? 100 millions de dollars, ça fait combien de munitions pour que nous puissions combattre les M23? C'est injuste. C'est injuste. L'Assemblée nationale avait fait sa part. Pour accompagner les chefs de l'État, lui qui avait dit que nous devons corriger les erreurs du passé, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Toute personne qui a une parcelle de pouvoir doit s'assumer. C'est injuste que les gens détournent et les gens détournent des millions dans ce pays. C'est incompréhensible. Comment est-ce que nous allons préparer la génération future? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la direction et la vision de tout le monde, c'est dans la politique. Les gens ne veulent plus faire la médecine, les gens ne veulent plus faire les mécaniques, les gens ne veulent plus faire l'entrepreneuriat. Tout le monde, c'est être politicien. Tout le monde veut devenir politicien. Parce que les gens pensent que c'est en étant politicien qu'on peut se faire les moyens. C'est en étant politicien qu'on peut détourner. C'est en étant politicien qu'on peut se taper des millions.
C'est incompréhensible. Nous devons corriger ces pratiques-là. Et en corrigeant ces pratiques, notre justice doit se remettre encore debout. Avec les efforts du nouveau ministre, notre justice doit se remettre debout pour que tous les détourneurs soient traduits devant les instances judiciaires. C'est incompréhensible, monsieur le journaliste, dans un état de guerre, que les gens détournent. Ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Alors, on parle ici de la situation toujours au pays, en République démocratique et du Congo. Vous êtes en train de nous suivre et nous sommes sur Congo Live Télévision. Messieurs Moussa Ziali Roy, porte-parole de l'INC dans la province du Nord Kivu, est notre invité aujourd'hui. Je suis Youssouf Kibingila à David à cette présentation. Monsieur Moussa Ziali Roy, on parle un peu du passage de VK à l'économie. Il y a des Congolais qui sont à Kanyamasese, qui sont dans la province du Haut-Katanga, qui sont au Sud-Kivu, Tchopo, à Kinshasa, qui jusqu'à présent se posent des questions. Quel est le bilan aujourd'hui de Vital Kamerhe lors de son passage au ministère de l'économie? Plusieurs Congolais se posent des questions parce que aujourd'hui les taux de change grimpent, ça marche comme on ne l'a jamais vu au pays. Oui. Plusieurs se plaignent. Ils pensaient déjà que l'arrivée de Vital Kamerhe au ministère de l'économie va pouvoir stabiliser les taux d'échange, va pouvoir amener l'amélioration même au sein de l'économie de notre pays. Qu'est-ce que ces Congolais sont censés comprendre aujourd'hui du passage de Vital Kamerhe, qui est l'actuel président de l'Assemblée, au ministère de l'économie? Ah oui, messieurs les journalistes, vous savez, la gestion d'un pays demande vraiment la compréhension. Vital Kamerhe a pris la commande du ministère de l'économie pendant que l'économie était déjà à genoux. Parmi ces réalisations, bien sûr qu'il y a eu des imperfections parce que l'œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Parmi les réalisations, lorsqu'il avait pris le pouvoir, au niveau du Katanga, il y avait la hausse du prix des maïs. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire des investigations. Il avait pris pendant qu'un sac s'est négocié à 90 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 33 000 francs. Vous pouvez faire des démarches. Le président de l'Assemblée nationale a amorcé des réformes. Il n'a fait que 9 mois à ses ministères. Il a amorcé des réformes. Mais quand même, il y a eu des imperfections parce que tout le système était déjà un tout petit peu amorphe. Notre pays connaît des problèmes généraux. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsqu'on parle d'une économie, il faut voir la production. Est-ce que notre pays produit? Vous savez, lorsque vous voulez parler du taux d'échange, quelqu'un qui vend des maïs en Zambie, quelqu'un qui vend je ne sais quoi peut-être à l'étranger, il achète ça en dollars. Et en arrivant ici, il doit vendre aussi en dollars suivant les prix qu'il a acheté. Et donc, le problème de notre pays, c'est la production. Est-ce que nous produisons? Et pour y arriver, il faudrait qu'il y ait des routes à dessert agricole. Il faudrait que l'agriculture dans notre pays soit une priorité. Nous ne devons pas seulement compter que notre économie doit s'élever pendant que nous comptons seulement et nous comptons seulement aux minerais. Le sol doit prendre la suprématie au sous-sol. Voilà, si nous prenons ces critères-là, nous pouvons espérer. Lorsque vous me posez la question de savoir quel est le bilan du président Vital Kamerhe... Il y a des Congolais qui ont encore des confusions à ce sujet. Moi, j'ai dit que Vital Kamerhe a réalisé beaucoup. Il a lancé les jalons. Il a lancé les jalons et il y a quelques mérites. Il a lancé des réformes. Aujourd'hui, je peux vous dire que les carburants se négocient à moins cher en République démocratique du Congo qu'en France. Il s'agit des mérites de l'honorable Vital Kamerhe. Et donc, notre pays a la gestion, la gouvernance, c'est un cycle de tous les jours. C'est l'idéal à atteindre. Il y a eu des imperfections, mais il y a eu quand même des efforts.
Voilà ce que je peux dire. Alors, en étant président de l'Assemblée nationale, c'est par là où on va finir cette émission. Qu'est-ce que les Congolais de l'Est, et d'ailleurs, je plaçais mon excusé si ça va choquer certains, qu'est-ce que les Congolais de l'Est peuvent entendre de Vital Kamerhe en étant président de l'Assemblée nationale? Ce que les Congolais peuvent attendre de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, c'est d'abord plusieurs réformes, les contrôles rigoureux. Il va mettre en œuvre ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire pour que la paix soit une réalité à l'Est. Vous savez que pour gagner cette guerre, il faut que tout le monde se mobilise. Toutes les institutions se mobilisent. C'est comme ça que Vital Kamerhe va toucher sur la diplomatie parlementaire afin que la paix soit une réalité. Il va aussi redonner l'image des députés à son temps, à un moment, dans des législatures passées. Les députés étaient considérés comme un détourneur, les députés étaient considérés comme un corrompu. Mais aujourd'hui, il faut redonner l'image aux honorables députés pour que leur travail, de la même manière qu'on voit un parlementaire français, de la même manière qu'on voit un parlementaire allemand, c'est cette même manière qu'on va voir nos parlementaires. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, ndebalobaka na lingala que musalande na swahili balobaka kazimbele tumbunyuma, sous la conduite de l'honorable Vital Kamerhe, kazimbele tumbunyumba, c'est-à-dire le travail d'abord et d'autres choses après. Les dames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Bozomi tourne ma question, Moussousou, Ponanini, t'opposé, y était. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Monsieur Moussa Ziali Roy, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous honore plus sur Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, j'étais Youssoufou Kibingila David. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Prenez bien soin de vous. Merci.